Et alors là, vous allez être gâtés. Hein. Bonjour à tous et à toutes, ça va? C'est le deuxième. Alors, toi, alors spécialiste de magie, hein. Attention. Hein. Ouais. Ça va être servir. Hein. Le deuxième, tu vas craquer. Si jamais tu vois le truc, évidemment, tu le comptes. Ça, hein. ça m'impressionne énormément. Je comprends tout, en principe, à force. Et là, le deuxième, jeu de cas. Tiens, bah, tant qu'à faire, s'il y en a un qui doit le mélanger... Est-ce que tu mélanges comme un tricheur? C'est vrai? Non, ah, quand même. Mais... quand même. Ah oui. Waouh. Waouh. Oh, oui. Ouais, mais... Bon, bah, je vous laisse, moi. Vas-y. Bon, alors, c'est très simple. Il y a trois cartes à choisir, mais on va les choisir d'une manière un peu rigolote. On va commencer par José. José, je vais passer les cartes comme ça et vous dites stop quand vous voulez. Stop. On la met là. Rien. Alice. Je rappelle que personne n'est complice à l'intérieur. Stop. On la met là. Ah. Marine. Ok, on est prêt. On y va. Alors, je distribue. On dit stop. Stop. Ici, voilà. Ok. Alors, vous avez choisi trois cartes complètement au hasard. On est d'accord. D'accord. On va essayer de les retrouver. On va essayer. Je t'ai demandé de prendre votre carte. Oui. Et de la montrer à la caméra. Pour que tout le monde dans la salle puisse la voir. On ne dit rien. Je regarde pas, je regarde. Voilà. Oh, quand même, il y avait un petit œil. Non, je suis le genre. Il n'y a pas besoin. Très bien. Bon, José, on la remet. Oui, dans le jeu. Attention. Excusez-moi. Ah non, mais trichez pas. Moi, je triche, mais je suis pas pour ça. Ça se trouve, il t'a embourbé et tout. Alors, en plus, pour augmenter la difficulté, je vais cacher le jeu, comme ça je ne le vois même pas. D'accord. Alors maintenant, pour retrouver la carte, en fait j'ai deux pièces, mais elles n'ont pas le même pouvoir. José, laquelle voulez-vous qu'on utilise? Au hasard. Celle-ci. Alors ça, c'est celle qui va... celle-là, elle a le pouvoir de voyager et d'aller retrouver les cartes, comme ça en fait. Et ça m'est passé. Tu l'as pas vu passer? T'es là. Si, c'est tout. Si. Mais bon, non, on arrête tout ici. Ah bah, je sais où elle est. Elle est au milieu. Magnifique. Attends. Et puis surtout, c'était quoi ta carte déjà? Et juste en dessous de la pièce. C'était quoi ta carte? C'était quoi la carte? C'était un 3 de carreau. Non, de cœur. De cœur, pardon. Voilà, 3 de cœur. C'était du carreau. Ah, c'est le deuxième qui m'énerve le plus. Alice, regarde la carte, montre-la à tout le monde. Montre-la à tout le monde, pardon. Attention. Ça y est. Voilà. Tout le monde l'a bien vu. On la remet dans l'éventail. On la remet dans l'éventail. C'est ça qui m'énerve le plus. C'est celui-là. Alors ici, ça va ou tu vas ailleurs? Non, c'est bien. C'est bien. Bon, bah, très bien. C'est bien, là. On va essayer de retrouver la carte. Ah, ça, c'est avec la deuxième pièce. Celle-là, elle a une petite différence. C'est, elle attire les cartes. On va voir. Est-ce que le 6 de cœur, c'est ta carte? Non. Alors, regardez bien. Donc, en fait, mettez la caméra très près. Regardez bien. On va essayer de... Et à ce moment-là, au-dessus du 6 de cœur et en dessous de la pièce, il y a une carte qui devrait apparaître. Oh putain. La dame de pique. Ah, ouais. Ah beau ça. Désolé. Et si on c'est enlève la dame de pique, et donc il y a le 6 de cœur qui avait dessous. Ça c'est... Applaudissez-le encore parce que moi ça, j'ai pas compris. Ah. Pour la troisième. Même bluffé Dani Larry hier à la répétition, il disait je comprends pas. Ah, attention. Hop. Alors ça c'est la mise en scène. Hein. Oui. C'est pour tout à l'heure. Voilà. T'as des grands moyens quand même. Hein. Ah bah oui. Qu'est-ce que tu crois? Voilà. Et j'ai ici des petits bouts de papier. Des petits papiers blancs, comme ceci. Tiens, on va en prendre un. On va en prendre un, comme ceci. Oui. On va mettre une pièce dessous et une pièce dessus, comme ceci. Ça, c'est pour trouver la troisième carte. Je mets là, donc, ça en fait. Voilà. Deux dés, un voilà. Petit bout de papier, deux pièces et un briquet, évidemment. Ah bah, il est là, le briquet. Recule-toi un tout petit peu, Olivier, pour la caméra. Alors attention. Ah bah tenez, c'est vous qui allez mettre. Vous allez mettre le briquet et vous allez mettre le feu. Je mets le feu du papier. Petit truc, là. Moi j'aime pas bien mettre le feu. Non, c'est vrai. Allumez le feu. Voilà. C'est toi qui vas faire le tour. Voilà, super. Et là, si on regarde le petit bout de papier, il y a le nom d'une carte. Deux de carreau. Voilà. Mais le bien à côté qu'on voit bien, enlève tes dés qu'on voit bien, que la caméra voit bien. Et si on retourne, c'est bien deux de carreau. Et en bonus. Allez, on va le faire. En bonus. On va laisser le papier sur la pièce. On remet la pièce comme ceci. Et du vent. Attention. Dernière fois, maintenant, on va essayer de graver la pièce. Très fort. Bravo. Et là, regardez bien. C'est sculpté, c'est gravé à l'intérieur, c'est troué. Il y a le 2 de carreau qui est gravé. Si on regarde, vous voyez, c'est bien. Ça passe à travers. C'est pas beau, ça. Et ce monsieur de génie s'appelle Bernard Willis. Yes. Bravo. Bon, remettre à tous. Bravo.
Des applaudissements nourris, un triomphe. Va-t'en vite, mon Bernard. Emporte ton tapis. Bonne journée. Ciao. Voilà.